reçois de moi le parfum qui t'est dû, la beauté de ton nom, ô mon âme éternue, je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Reçois du peu que je trouve à donner, tout l'amour que mes yeux n'ont pas su te montrer. Je veux n'être qu'à toi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'aime. Nous prophétisons cela en commençant par les démons de Lyon. Ils vont fléchir au nom de Jésus. Qui vous a dit que la France est un pays qui n'aime pas le Seigneur? Qui vous a dit que la France est dure? C'est faux. C'est faux, frère. Je crois qu'en 2016, je vois beaucoup de jeunes Français dans les lycées, les collèges. Je vois un mouvement de l'esprit. Je vois des groupes de jeunes, même dans les parcs, en train, à genoux, hein, en train d'adorer le Seigneur. Alléluia. Il y a une chose qui va se passer, une chose nouvelle que Dieu me montre là. Beaucoup de musulmans en France sont en train de quitter l'islam. Ils découvrent que c'est faut autre chose. Je vois vos familles du Maghreb, je vois des Algériens, je vois beaucoup d'Algériens, je vois beaucoup de Tunisiens, je vois beaucoup de Libanais, je vois beaucoup d'Irakiens, mes amis, je vois beaucoup de Marocains, je vois beaucoup, beaucoup d'Arabes, et reconnaître que Jésus est Seigneur, mes amis, et je le vois déterminé à annoncer le Seigneur a une autorité sur la maladie terrible. Je vois des démons qui sortent, je vois des miracles qui s'opèrent, je vois des handicapés qui se lèvent et qui marchent. Je vois des enfants qui foient, je vois des prophètes qui se lèvent, des prophétesses qui se lèvent, je vois Jean et Dieu qui s'accomplit, l'esprit est répandu sur les enfants de Dieu, le feu est là. C'est pour cela que nous disons ceci, vous avez des choses à partager, venez prêcher à la télé de ville. Amen. C'est un appel qu'on laisse à tous, venez prêcher, c'est pour vous, venez dire ce que Dieu vous a dit.